Bonjour à tous les amis, c'est Marlon et bienvenue pour un nouvel épisode de notre aventure Déforestation Total 2. Et aujourd'hui on va faire de l'investissement, mais juste avant je vous laisse regarder la déforestation qu'on a fait durant le off. Et oui, c'était un off plutôt efficace. On a travaillé une petite heure, mais on a quand même été efficace. On a abattu pas mal d'arbres. Je vais aller vous montrer ça juste après. D'ailleurs, on fera sans doute un avant-après en fin d'épisode parce que c'était une grosse parcelle et elle a rapidement fondu. Et d'ailleurs, grâce notamment à ces deux loustiques, nous avons El Papito. Hello. Et Valo52 qui est ici. Hello. Et on aura deux autres sans doute loustiques qui viendront faire une course de motocross pour se disputer. Évidemment, les amis, les parcelles, lesquelles je vous montre celle-ci. Parce que vous avez voté, vous avez choisi à 90,30%. 8% qu'on allait s'installer proche du lac plutôt que là. C'est vrai que là c'est un peu, oui, c'est un peu miteux. Ça ne ressemble à rien, on va pas se mentir. Donc tant mieux, on ne mettra pas de lotissement là-dessus. On partira bien sur ce côté-ci. Alors Papito, tu nous as adapté un mode à nos besoins qui est ressorti récemment sur King Mode. Elle s'appelle la The Beast. Exactement. Eh ben écoute, on va l'acheter. C'est dans catégorie forestière ? Non, il y a une catégorie à part. Oui. C'est quoi, c'est qui le modeur? PS5 et PS55 ouais, équipement. Ok. Donc elle est là, la The Beast. Alors les amis, vraiment, la The Beast, je vous le montre, c'est une machine qu'on utilise depuis très longtemps. La preuve, je l'utilisais sur FS15. Donc ça, c'est la Beast, la broyeuse. Oh putain, toutes les roues qu'elle a à l'arrière. Ici, on peut ouvrir, il me semble. Ouais. Allez, hop, on ouvre le panel. Puis vous. On peut commencer à allumer, mais bon, j'allumerai quand Zenix sera là. Oh, il t'a foutu le seum, mais genre bien là. Eh oui, vous l'avez vu sur FS15. Déjà, merci à Balan d'avoir retrouvé le clip, parce qu'à mon avis, ça a dû être très compliqué. Ça devait être de l'archéologie à ce niveau-là. Mais en effet. On fait des bonnes archives. Ouais, c'est ça. On va engager des mecs pour faire les archives. Mais ouais, voilà, la The Beast, elle est revenue, elle est là, avec une capacité un petit peu boostée, parce que c'est vrai que sinon, elle a pas trop d'intérêt. Je fais quoi? Rare Steer ça sert quoi, le Rare Steer? J'ai jamais trouvé ce que c'était. Mais ouais, ça bouge le truc, mais on voit pas trop la diff. Ok, bah écoute. Alors, je pensais, est-ce que t'en profiterais pas pour prendre un chargeur sous pneu, une pince à bois et... Ouais, de fou, et comme ça les abonnés seront contents en plus. Bah, chargeur sous pneu, on a, techniquement. On doit en avoir un qui traîne. Alors. Oui, il est là, il est au métal. N'est pas accès à ce terrain, mais de quoi je me mêle. On a même la pince, le L200H avec une pince. Ah, il y a celui-là aussi, mais j'ai bien envie de tester les pinces à bois de Babou qui se sanglent. Ouais, donc je vais emmener ça au concessionnaire, les amis. Je vais bien s'accélérer le temps que je l'emmène au concessionnaire. Et comme ça, on ira acheter les pinces à bois qui se sanglent. Et le retour du bois à la traditionnelle, quoi. Magnifique. Alors les amis, du coup je suis rendu avec ce beau Volvo. Regardez ça, il est beau, j'adore, il a pas beaucoup tourné, une heure, il a servi pour la ferraille pour le moment. Ah mince, ah non mais il y a trop de soleil, attendez les amis, j'avais oublié qu'on était en... Vous avez moi le fond vert était un petit peu, bah non, c'est toujours le cas, bah faut que je ferme les volets, mais c'est trop. Voilà, là normalement il y a plus de soleil qui nous emmerde. Je comprends pas pourquoi tu fais tes lives le soir. Bah oui, je peux pas sinon trop de soleil. Bon, toujours est-il, on était pas là pour ça. On était là pour acheter. Alors, c'est dans quelle catégorie du coup, je sais même pas. Les chargeurs sur pneus? Tu les avais mis déjà? Bon, ça va. Normalement oui. Je sais plus, je crois. Techniquement oui, c'est dans le chargeur sur pneus. Si, il me semble, je sais plus. Liber Explorer, je crois. Ah ouais, bah c'est ça alors. Oh, c'est un pack complet, par contre. Ah ouais? Ah ouais. Une fois que t'as eu fait la sauvegarde, je pouvais plus rien faire. Les amis, je veux pas paraître pessimiste, hein, mais
on a plus de sauvegarde. À mon avis, c'est la The Beast. Parce que la The Beast, ça, par contre, sur tous les farming, elle a toujours niqué les sauvegardes. Ça, les mecs, ils ont toujours gardé, c'est parce que c'est plus authentique. C'est pas la vraie The Beast si elle détruit pas ta save. Donc voilà, on va essayer, mais j'ai peur. J'ai très peur. Ok, les pinces à sangle, elles sont là. Ah ouais, ça a l'air d'être des sacrés pinces, hein. Ah ouais. Ah oui, ça, ah oui, j'ai envie d'essayer ça. Ah ouais, ça me plaît. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. J'aime bien l'idée, j'aime bien l'idée. Oh, on peut la mettre dans des couleurs pas possibles en plus. Let's go tester en blanc. Au moins, ça permettra bien de la différencier. Ça va pas du tout aller avec le Volvo qui est noir et jaune, mais au moins, ça nous permet de différencier. C'est pas très grave. Ouais, j'emmène ça sur le chantier maintenant. On a un bug formidable, les amis. Je vois Valo un peu partout dans la. Ouais. Bon. Ouais. Zola, t'es dans une abatteuse techniquement ? Ah, je suis dans l'abatteuse, là, ouais. Ah oui, ok. Il est à la fois dans la The Beast et à la fois dans le Kenworth, mais c'est pas grave. Alors, essayons ceci. Je baisse le bras comme ça. Je m'avance. Alors, le problème, c'est que. Ouais, j'allais dire qu'il faut que ça soit centré, mais non, avec des sangles, on s'en fout. Elle, est-ce que ça sangle de loin ? Ah, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, mais 12 mètres, frérot, je t'aime. Bon, en plus, ça fait un peu en biais, j'avoue. Alors, mais, attends, t'es prêt à l'animation ? Ouais. Ah, tu déplies là ? Ouais, mais ça va pas. Si, ah, si, c'est bon. Il s'enfonce même dans la boue. Boum, petit cône, tranquille, stylé. Voilà, ça c'est là, bon. Vas-y, active. Alors, le... Là, je peux déplier la buse. Là, je peux déplier le truc. Oh, d'ailleurs, attends, j'ai envie de tester un. Ah, bah attends, t'as 100 000 de capacité là-dedans ? Ouais. Enfin, réfléchir à un système de fou, mais il me faut encore le temps un peu de réfléchir. On va juste utiliser pour le moment la capacité. Laissez-moi un peu de temps. Ah, j'adore. Alors, autour de la zombie, ça fait plaisir quand même. Baisse juste ton bras, ça se trouve, ça va rentrer dedans. C'est sur les bouts des bouts de bois. Ouais. Le bout des bouts de bois. Ah ouais, mais là, le bout des bouts de bois, il n'y avait pas besoin de juste baisser le bras. Hein. Il y avait besoin de bien s'incliner. Ouais, parce que du 12 mètres, c'est pas une très bonne idée. Ouais. Non, sympa, là, The Beast. C'est toi qui n'es pas doué. Bah, le bois a touché, hein, papy. Hein. Non, il a touché juste le bord. Oui, évidemment. Là, ça touche pas, là. Non. Non, c'est bien, en tout cas. Ils ont bien fait. Oh, c'est vraiment chiant. Hein. Bon, bah, on va mettre des coups de tronçonneuse quand c'est en 12 mètres. Et là, si je le lâche comme ça, techniquement, il y en a un qui va tomber dedans. Ouais, bon, alors, tronçonneuse. Hop. Voilà, il faut vraiment que ça touche, genre, le centre des dents. Ouais. Alors, je peux pas l'escalader, la corne de sa mère. Ah, c'est bon. Alors, voilà. Et là, je coupe en deux, voilà. Bon, c'est très bien, la The Beast, mais on essaiera dans de bonnes conditions, parce qu'en 12 mètres, c'est de la pisse. Voilà, voilà, voilà. Ah. Merde, évidemment, j'ai chopé la The Beast. Oh, pff. Attendez, oh, je vais faire un truc, mettre un moi visuel fixe. Ah bah non, on peut pas en multijoueur. Oui. Non, on peut pas. Non, faut le faire au début, sinon ça nique la save. Et ça te met de la pluie constamment, c'est vrai. Chier. Et c'est où le 6 mètres du coup que je puisse l'essayer réellement? Tu vois que c'est qu'elle a Volvo? Non. En face de toi, là, tu descends, et puis... On a du matériel de partout. Tu vas arriver sur... Et moi, Valo, je te vois dans tous les véhicules de la map. Je te vois, no joke, dans tous les véhicules de la map. Hein. Alors, tu vois, si papy, toi, tu le vois pas. Tu le vois pas au nord, au centre. Non. C'est impressionnant. Hein. Regarde sur la minimap. Regarde sur la minimap, papy. Tu vois pas des flèches au nord, au sud, au centre? Bah, non. Et là, est-ce que tu me vois, là? Bah, je te vois en rose, ouais. Mais je te vois toujours dans les autres tracteurs aussi, mais au moins, je vois que lequel est rose, quoi. Bon. Voilà. C'est bon, t'as vu que c'est ouais. Que je suis. Ouais. Allez. On a combien de MS en 30 pourtant. Ah ouais, on s'y met. Ah bah oui, bon là on parle. Là, c'est impeccable. Il y en a un bout de poids qui a été coupé en 12 mètres à l'origine. Ouais ouais, tranquille. Hop, on va s'avancer un peu. Ouais, je suis un peu gourmand là. Un peu gourmand. Ah oui, non, de toute façon, ah, c'est vrai qu'elles sont un peu radines, Babou, tes sangles. Hein. Elles vont à peine, elles vont même pas plus loin que les pics. Oh, c'est pas mal, mais... Moi, j'aime bien les sangles ambitieuses, là, qui n'hésitent pas à aller à deux fois plus loin que la longueur de la fourche. Bon, au moins, ça va fonctionner, mais... Ah ouais, là, c'est pratique. Hein. Eh, là, les gars, regardez ça. On est en plein roleplay. C'est impressionnant. Bon, heureusement qu'on a les sangles, je les ai bien pris sur les côtés. Mais normalement, là, direct dans la The Beast, c'est impeccable. Bon, du coup, la The Beast, on va pas la laisser sur les 12 mètres. Hein. Faudrait mieux de la déplacer. Hein. Là, on fait de la route pour rien. Ah ouais, avec le Volvo et tout, c'est trop stylé. C'est trop, trop stylé. Je suis trop content. Incroyable. Mais bon, hélas, on est sur farming, il est à 17h, il fait presque nuit en avril, c'est quelque chose quand même. C'est terrible. On est presque raccord avec l'IRL et pourtant il fait encore jour. Hein. Ouais, c'est ça, il fait encore jour à 17h en vrai, sauf que on est en mars. Terrible. Merde, la zombie c'est là. Rapide, il tient là, franchement au moins il se retourne pas le Volvo. Des fois laisser des boguns quand tu prenais un peu court, ouais. Ils étaient un peu timides, là ça le fait. Alors, on va se mettre, on va faire une... Ah ouais, non, faut que j'ouvre comme ça. Ouais, ce que je vais faire, voilà, jouer, fine. Tac, et là, normalement, ça glisse dedans. Pouf, pouf, pouf. Allez, deux derniers. Ah, elle est exigeante, hein. Oh là là. Faut vraiment que ça tombe pile dedans.
Alors c'est très réaliste, mais c'est nul. Faudra changer le trigger. Hein. On va mettre un trigger qui va au moins jusque là, parce que sinon... Mais c'est stylé, bon bah je vous mets des accélérés, c'est rigolo. Les amis, regardez, c'est bien stylé, ça remplit juste derrière. Vas-y, papy. Alors, on a la capacité là qui est affichée sur ce petit écran, c'est vraiment joli. Ça permet, en plus, c'est bien, ça permet de savoir à peu près combien c'est de litres un arbre. On n'a pas trop de notion normalement. Et ça verse directement dans la benne derrière. Donc, ce qui fait qu'en fait, t'as. Ah ouais, t'as 350 000 de capacité alors. Dans avec la... The Beast plus la remorque. Ah oui, oui. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, alors pour le moment, tes impressions avec le 6 mètres là, c'est pas mal. Bah ouais. C'est pas mal. Trouve pas que la sangle elle mériterait d'aller un peu plus loin? Un poil. Tu vois, parce qu'on avait l'habitude avec le Cinebogle, je me rappelle. Là, tu vois, par exemple, t'aurais déjà sanglé, t'aurais relevé et t'aurais désanglé, ça serait tombé dedans, tu vois. Alors que là, je trouve, elles vont pas hyper loin, mais ça va, hein, ça fonctionne quand même. On va avoir du pic, mais bon, ça va, c'est tranquille. Ouais. Bah, tu vois, là, regarde, ton dernier, il est même pas sanglé. Ah ouais. Bah, tu vois, on pouvait pas mieux illustrer. Après, je sais pas si. Je sais pas si c'est. Ah ouais. Si c'est possible, mais je me rappelle pas comment Will il avait fait pour les sembles extensibles sur le scénario. Non, c'était pas lui qui avait fait. Hein. Et c'était les trucs avec un adaptateur, c'était un modeur qui avait fait ça. Ah, c'est stylé, j'adore. C'est vrai que c'est visuel. C'est vrai que c'est très visuel la The Beast, c'est vraiment bien. Et puis on a notre Valo ici qui progresse. D'ailleurs, petit aperçu de la parcelle. Ah oui, c'est vrai que ça avance vite là. T'es rendu déjà là. Ah oui! Attends, mais je capte rien où on est. Si, on est là. Ah oui, ouais, mais c'est vrai que ça va jusqu'au bout par contre. C'est pas au chemin de fer. Ça va jusque le long de la rivière. Ah ouais. Et d'ailleurs, la rivière, comment on va faire? On peut pas l'acheter. Bon, on fera avec le Lumberjack. Hein, parce que les petites îles, là, on peut pas les acheter, les amis. Pour virer les arbres, on sera obligé de tricher, de faire avec le Lumberjack. Parce que, bah voilà, si le jeu ne nous permet pas, on va bien se permettre. Hein, donc, mais regardez, il y a tout ce côté-là encore. Après, ça va, il y a des trous. Hein. C'est vrai que c'est sur ces parcelles-là. Là, t'arrives. Ah ouais, là, t'arrives clairement dans du trou. Là, sur toute ta droite, c'est en trou. Qui arrive derrière moi, là, ouais. Et même de l'autre côté de la colline, tu vas voir, il y a un côté de la colline, il y a presque rien. Ah, mais ça va sinon. Ah oui, oula, tu te fais chier. Là, t'as beaucoup de. Je vais peut-être t'aider. Je vais arriver avec le Fen parce que là, oui, il y a un merdier de pommiers. Ah, il y a un petit foliage là, ce serait bien, ouais, de faire un petit. Oh la vache. Ah non, mais surtout, t'as des pommiers là, c'est inaccessible. Ah là, c'est. Ouais. Oh le bordel. Ouais, c'est ça. Ah ouais, bah j'arrive. Bon bah accélérer les amis, le temps que je broie tout ça. D'ailleurs, je crois que j'ai quasiment jamais fait ça. T'arrives juste là, tu tapes dedans. C'est pratique. Ah ouais, c'est avec toujours aussi efficace. Celui-là, par contre, il déçoit pas. Hein. Celui-là, il déçoit jamais. Mais la The Beast non plus, franchement, pour le moment. Enfin, je dis ça. Venez, on tape une save pour voir quand même. Non, mais au cas où. Non, ça va, ok. Pendant un moment, j'arrivais pas à redémarrer. J'ai eu très peur. Ouais, moi aussi. Je pouvais plus redémarrer. Je fais bon, ok, nickel. On vient de perdre une heure. Mais non, ça va, ok. Bonne nouvelle. Pour le moment. Ah ouais, c'est satisfaisant. Petit coup de broyeur comme ça, là. Génial. Pendant ce temps, on fait du copeau. Alors d'ailleurs, pour ceux qui se demandent pourquoi on fait des copeaux, c'est pour les objectifs. Bah d'ailleurs, je vais vous les rappeler. Parce que les amis, on avait les objectifs à 100 000, à 250 000 et enfin ceux à 500 000. Alors 250 000, on a fait. C'était raser 8 parcelles. Maintenant, à 500 000, posséder toutes les usines. Ça, on l'a fait, je m'en rappelle. Posséder 25 véhicules. On n'y est pas. Construire un lotissement, on va y venir. Raser 15 parcelles. Alors là, on n'y est pas du tout. Hein. Juste, attendez, on fait le compte comme ça. 1, 2. Alors oui, parce qu'il n'y en a pas dedans, on peut le compter. 1, 2, 3. Alors celui-là, on ne l'a pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, bah ça va être la 15e. On va bientôt pouvoir cocher. Ah ouais, en effet, il en manquait qu'une. C'est ce que je te disais. Ouais. Et bah, du coup, ouais, c'est la 28. Ah bah, ce sera fait dans l'épisode normalement. On a moyen de la faire, là, la 28. Ah bah, c'est impeccable. Ça va être juste, mais ça peut le faire, je pense. Ça peut le faire. En plus, on a quand même des balanes qui vont arriver en renfort. Moi, j'y crois. Donc, non, ça peut le faire. Comme ça, 28, 15. Et comme ça, après, on n'aura plus qu'à construire le lotissement et finir la deuxième entreprise forestière. J'y ajouterai quelque chose tout à l'heure. La deuxième entreprise forestière, les amis, j'ai trouvé des modes assez sympas. Je vous montrerai ça. Je sais pas si on s'en servira, mais en tout cas, on le placera. Et oui, et du coup, oui, j'ai même pas répondu à la question pourquoi on fait des copeaux. C'est pour remplir le fameux silo ramp qui a 10 millions de capacité. Alors, on progresse d'ailleurs, je vous ai pas montré, on est à 5 millions 2. Oh putain, ça fait tellement de temps qu'on y est. 5 millions 2. On aura fini la map qu'on aura pas fini de remplir. Il y a moyen. On va devoir replanter des arbres pour faire les objectifs, sinon on pourra pas finir, tu sais. Terrible. Non, mais voilà, ça avance. Et puis là, avec des petits pommiers comme ça, on fait du remplissage. Avec la The Beast aussi, c'est nickel. Regardez, un pommier comme ça me rapporte combien de litres? Voilà, quasiment 1000. Une déception, c'est pas grave. Il faut juste 10 000 fois ça, je veux dire, c'est rien quoi. 10 000 pommiers, c'est bon, ouais, franchement. Oh, on chipote.
cher Giant Software, comment je suis censé retirer un arbre que vous avez mis dans un rocher? Déjà courageux celui-là. Hein, non mais il pensait qu'on allait croire. Oh, ben non, c'est un buisson, il commence à pousser là. Je vous invite à regarder avec... C'est quoi la touche F4, hein? On voit bien que l'arbre, il va bien dans le rocher, hein? Bon, c'est pas grave, j'enlève en lumberjack. Mais on vous a vu, hein? On l'a vu, l'arbre mal placé. Vivement une mise à jour pour corriger ça. On est toi avec une demande de mise à jour. Hein, ouais, non. Je rigole, Janet, on s'en fout, c'est pas grave. Pardonnez. Pas de mage. Oui les amis, oui non mais vous avez lu dans mes pensées, on pourrait faire le tour. Mais est-ce que ça aurait la saveur de descendre comme ça? Oh, j'ai failli le broyer en plus, non! Oh, presque! Ah ça va, il a des freins. On se plaint souvent des trucs qui n'ont pas de freins sur farming, autant ça a des freins. Ah d'ailleurs j'ai rien vu de pire qui n'avait pas de freins qu'une arracheuse à betterave les gars. Ah si, moi je peux confirmer, il y a des abatteuses aussi. Ah ouais, les arracheuses à betterave c'est très fort hein. Faut penser le freinage hein, parce que sinon c'est pas la peine. Ah là je te dis je prends des risques Valo pour t'éliminer tous les arbres chiants. Je suis en pente. Un truc de malade hein. Je crois qu'on va mettre une sangle, enfin on va mettre un treuil qui me retient. Parce que là c'est vraiment... Ah, heureusement qu'il a des freins hein, parce que là je partais, c'était fini. Oh, c'est pentu. Ah j'adore, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Faire du broyage, mais c'est pour ça là. Vivement que les renforts arrivent, on va pouvoir en mettre un à broyer, je vais pouvoir vous faire des plans là. Là je suis obligé de travailler, vous rendez compte les amis? Non mais c'est pas possible. Surtout qu'il a l'habitude alors d'un coup. Bah ouais. Le mythe tombe. Bah là ouais c'est sûr, ouais c'est vrai. Attends, comment je fais là? Oh, j'arrive plus à en broyer. Hein. Voilà, dès que je filme, je suis nul. Si tu veux emmener du bois, enfin le copeau, tu peux. Ah ouais, bah attends, j'arrive. Ah, t'as déjà rempli la remorque? La remorque est pleine. Ouais. Ah ouais, quand même. Oh là là, parce que là, je suis en train de faire une descente de ski. Boum! What? Ça me l'a tout rendu chelou. Voilà, bon, ok, bon, bah j'éteins mon broyeur et j'arrive. Tac, on va emmener les amis. Une remorque. Ici. Ah oui, en effet. Ah, du coup, c'est nickel parce que comme ça, t'as encore la The Beast qui fait un peu tampon. Ouais. Ah ouais, ça, c'est pratique. Alors, tu vois, là, j'ai pas de bois dans mon pic. Ouais. Mais j'avais un truc comme quoi j'avais du bois. Ouais, bah là, les amis, ouais, le serveur est pas très bien. En gros, oui, le. Tu vois deux bois là? Les deux bouts de bois là, tu les vois? J'ai pas de bout de bois là. Ah, d'accord. Me sens pas. Ok. Oui, ok. Oui, bon. Non, mais bon, voilà. Vous comprenez pourquoi on faisait des conteneurs, hein? Non, mais juste. Voilà, c'est. Juste comme ça, à titre indicatif, il n'y a pas de... Parce que nous, on veut bien. Quand hein. Même. Et moi, je dis quand même que les synchros sont importants. Oui, c'est vrai. Heureusement qu'il y a des synchronisations des données avec les autres joueurs. Sinon, on serait pas dans la panade, hein, moi, je vous le dis. Bon, allez, j'emmène ça à 250 000 de plus. Mais n'empêche, en vrai, 250 000 par 250 000, on va y arriver. Hein, parce que t'en emmènes 4, ça fait 1 million. Donc, il nous en manque, grosso modo, 4 x 5, 20. Ça va, 20 remorques. Eh, je pense qu'il y a moyen, pas cet épisode, mais à l'épisode prochain, l'épisode d'après. Ouais, dans 6 mois, c'est fait. Hein. Non, vraiment, dans 6 mois, je pense que c'est bouclé. Prochain. Non, dans 6 mois c'est bouclé, hein, y a pas de souci. Les amis, regardez qui est venu nous voir. On a Kamsed. Salut. Et on a Alan. Bonjour. Ah, t'as changé ta coupe, t'as été en Turquie? Exactement, je suis revenu juste il y a pas longtemps là. Ah ouais, bah nickel. Papy continue de broyer, c'est beau. Et regardez ça, par contre, on a dû relancer le serveur parce que c'était là. Parce que c'est vrai qu'en fait, voilà, un bout de 15 mètres, c'est un bout. Parce que 3 bouts de 6 mètres, c'est autre chose pour le serveur. Hein. Multiplié par 3 le dégât. Et le serveur, il est pas très fan de ce qui se passe. Alors là, ça va encore un peu mieux. Mais on est obligé de redémarrer le serveur de temps en temps, histoire qu'il respire, que le processeur souffle un peu. Et ouais, que de bons souvenirs, que de très bons souvenirs. Mais la parcelle avance quand même petit à petit. Moi, les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un terrain de cross ici. Je vais préparer une course. Je n'ai pas trop de trucs adaptés pour, mais ça va être rigolo. Voilà, au moins, ça va être vallonné tout ça. D'ailleurs, je vais peut-être déjà commencer par acheter les motocross. Tiens, on va se mettre là. Bam, je vais acheter les cross volés. Ils sont où? Ils sont dans voiture. Et voilà, ah, ils sont beaux. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les TE et les FE series? Ah oui, en effet. Ok. Oh, ça pourrait être marrant de faire un départ comme au Mans et d'en mettre des plus rapides que d'autres. Ah, okay, ça pourrait être marrant. Non, parce que moi, ce serait pas. Ça influerait trop sur le truc de la course. Je sais pas, je suis pas sûr. Hein.
Je te rappelle que la communauté veut que Black Myth perde. Bah de toute façon il est pas là, donc il a déjà perdu, donc c'est ça qui est bien. Mais je mets un Brabus et des motocrossers, il y a un mec qui fait la course en Brabus. Il écrase tout le monde. Non mais en vrai, on va partir sur quoi? Ouais bon allez, ok, je vous écoute, on va prendre pour tout le monde des FE Series, 16 000 balles, vous êtes combien? 4, allez je participe aussi, ça me fait rien. Alors... on va les mettre. Ah oui, on peut les mettre en 501, ok. Ah oui, non, mais ça coûte encore plus cher. Putain, ça va me coûter cher, ces conneries. Ouais, ok. Alors, headlight. Allez, on met des feux. Oh non, non, pure motocross, on met pas de feu. Échappement. Ah non, mais c'est vraiment bien fait, regardez. Échappement, on a celui-là, on a celui-là. Ah, oh, celui-là, oui, celui-là, c'est un acrapovide carbone, j'adore. J'adore. C'est plus un acrapo wish. Et on va mettre des protections. Ouais, des handguards. Allez, on met ça. Et alors, up color. On va en mettre une en blanche et rouge. Tac, 25 100 €. Une en blanche et bleu. Voilà. Ah, mais il y a plein de couleurs à mettre. Une en blanche et bleu. Blanc et vert pour moi. Ok, une en blanche et verte. Et une en verte et blanche. Ouais. Pas pis ça. C'est les couleurs de la party, mes amis. Pour ceux qui n'ont pas la ref. Et qui n'a pas la ref? Qui êtes-vous? Qui sont ces gens? Alors ça je mets en blanc, ça je mets en blanc, ça je mets en blanc. Je crois que tous ceux qui étaient au CIMA, ils ont eu la ref. Ah oui, vous pouvez pas les louper, vous pouvez pas les louper. Je sais pas combien j'en ai acheté, ah bah non, et du coup une en jaune, tiens. D'un autre côté, très peu ont osé venir tenter l'expérience de discuter. Hein. Ouais, c'était intimidé. C'est impressionnant aussi. Ils se sont dit, ça doit pas être les vrais. Non mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est venu nous voir avec ses parents, on a beaucoup apprécié. Hein. C'était super sympa. Donc la prochaine fois, allez les voir les gars, vous avez compris? Pense à bien faire là. Oh, elles sont trop belles les motocross. Eh franchement, elles sont posées comme ça, je vais les laisser t'as comme elles sont. T'as fait couper mes arbres toi? Pour Black Mick, c'est une motocross. Les bois morts. Ouais, la motocross de Black Mick. Je rappelle qu'on a du copeau à faire. Hein. Alors, et là ce qu'on va faire, c'est que ça... Donc là c'est la... Oh, ah ouais, là c'est le démarrage et là c'est l'arrivée. Ok, ça va être drôle. J'aime bien. Ok, bon bah du coup les amis, je vais tracer le tracé justement. On va se mettre en paysage, peindre. On va prendre le terrain, il sera en boue d'animaux. Enfin boue comme de la boue, hein, pas des morceaux d'animaux. Hein. Je ne veux pas de problème. Hein. Là, à certains endroits, tu pourrais même passer dans les rivières. Hein. Pourquoi? Ah ouais, j'avoue. Oh l'idée à la con. Ah oui. Ah ouais. Oh, oh ouais, là je mets un George, là je mets un tremplin. Oh ah ouais. Donc là, je crois que t'as encore lui donné des mauvaises t'as pas, idées. T'as pas des rampes de chargement qui traînent quelque part? Ah, si, bah ouais. Ça fait des oups. Ah ouais, de ouf. Ah ouais, bah si, let's go. Bon, bah les amis, je nous trace tout ça. Place au génie. J'ai un appel de mon banquier. Cher banquier, qu'est-ce que vous me disiez à l'instant? Y a plus de pognon, en effet. Non, mais faut arrêter à un moment. On a fait un greffe, papy, on va pas nous payer ce soir. Non, mais c'est trop. Les gars, j'avais 600 000 balles. J'ai acheté 5 motocross. Bon, j'avoue, il y a bien 2 km de haie quand même. Mais au bout d'un moment, faites un prix, Giants. Je sais pas. Genre, j'ai acheté tellement de haie. Non, c'est abusé le prix de la haie. Regardez le circuit, ça va être quelque chose. Ah, c'est surtout genre le prix moyen d'une haie de 1 mètre de haut, c'est 4,50 par mètre. Ça va. On est sauvé, Valo, il y a des conteneurs de plein. Même 2 km de haie, t'es pas à 500 000 balles. Hein. C'est vrai, bah ouais, on va faire ça. Ah ouais, ok. Ils sont pleins tous ceux sur le camion là? Ah, je sais pas, mais j'en ai ouvert un, il est plein. Ouais, mais à tout moment, c'est le seul qui est plein, tu sais. Tu le vois venir ou pas? Ah, sûr. Ah, mais c'est oui. Sûr. En plus, on peut pas vérifier là, ceux qui sont en haut, ils sont trop haut, on peut pas les attendre. Ça te servira peut-être, ça sera peut-être suffisant pour finir le circuit, quoi. Oui, peut-être. Bon, allez, bah j'emmène tout. Dans le doute. Non, mais je pense qu'ils sont tous pleins. Voilà. Allez, c'est parti. En plus, on n'est pas loin. Y a pas quelqu'un qui aurait eu la mauvaise idée d'en mettre des vides sur un camion. Non. Ah non. Jamais vu. Jamais. Qui oserait? Oula, je drift. C'est pas très contrôlable tout ça. Je vous le dis. Je sais pas comment. Oh, mais non, mais je peux pas passer par là, moi. Je voulais te faire le tour, non? À l'aide. Un peu m'aider en porte-charge lourde. Ah non, c'est bon. Allez, bon, bah je fais le grand tour, hein, parce qu'à mon avis, je passerai jamais par là. Conséquence. Alors, on va vendre ça. Bim, 63 000 €. Putain, ça va pas permettre de finir ça. Hein. Bim, 136 000 €. Et là, on a un conteneur formidable. Ah, bah, il est vide. What? Mais en fait, il est pas vide, mais. Okay. Alors, attends, regarde, j'ai un bout de bois ici. Ouais, mais on peut pas le vendre là. C'est vrai. Je cherche un micro-conteneur, s'il te plaît. Ouais, bah, il y en a un là. Je peux le ranger dans le conteneur qui est là. Mais ça va pas bien marcher. C'est un micro-bout, donc. Alors, est-ce qu'on a assez
Pour finir, j'en étais où ? J'en étais sur le... Ah oui, là, ça va être complexe. Ouais. On va essayer quand même, Bon, bah, accélérer jusqu'à que j'ai plus un rond. Les amis, le circuit est prêt, regardez, on démarre ici, donc la ligne d'arrivée c'est de passer sous le silo, c'est vraiment un petit entonnoir, hein. Donc ça se trouve à tout moment, la première place elle se joue là-dessus, hein. Vraiment à tout moment. Et alors en fait, vous passez ensuite par là, vous remontez, boum, droite, on passe au-dessus ici au niveau du pont, il y a un jump, et là faut passer entre les arbres, ça va être incroyable. J'ai pas le droit d'abattre les arbres, parce que c'est pas à moi je crois le coin là. Ouais non, c'est pas à moi, donc j'abats pas les arbres. Ensuite hop, on passe sur le pont ici, alors le pont en plus c'est un peu excentré par rapport à l'arrivée. Donc c'est là ça va être full talent hein. Si vous tombez dans l'eau il y a le droit de ramasser. Ensuite là c'est tout droit, boum boum boum. Ensuite une fois que vous avez terminé le premier tour, et bah faut en faire un deuxième. Et au bout du deuxième tour, ça y est, on pourra enregistrer. Alors du coup pour être sûr, moi je serai l'arbitre vidéo en fait. Donc je vais juste faire un tour pour montrer aux abonnés ce que ça donne, et voir aussi si c'est réalisable en vrai, parce que j'ai un doute. Et et voilà. Alors du coup moi je vais prendre la... Bon, je vais prendre la jaune. Je vais prendre la bleue. Ah non, je vais laisser ceux qui sont à côté, bon, je vais prendre la jaune. Alors du coup les amis, venez tous d'ailleurs. Ah oui, parce que lui, je savais qu'il était dans son abatteuse, il ne bougeait pas. Toujours au sérieux, au boulot. Alors, vous démarrez, éteignez-moi ça là, oh là oh là, qu'est-ce que vous branlez là, oh là. Venez là. Vous démarrez à pied ici sur la ligne. Ensuite, vous devrez courir vers votre moto, j'en ai rien à péter si vous prenez pas la bonne couleur. Hein. Vous montez dans la moto, vous démarrez. Hein. Et de toute façon, on est sur farming, donc choisir la bonne moto, vous savez comme moi que ce sera très compliqué. Vous courez vers la première moto que vous pouvez prendre. Vous montez, vous démarrez. Ensuite, vous faites le tour. Alors, le tour qui est... Oh, elle est si lente à démarrer. Quoi ? Il se passe quoi ? T'enlèves la béquille, non? Bah non, c'est pas à moi de décider d'enlever la béquille, hein. Ne roulez pas, s'il vous plaît, ne roulez pas. T'as pas toujours les réglages de sensi un petit peu trop élevés comme... Waouh. Ah, attendez, on va recommencer, ça a l'air génial. Attends, il faut peut-être attendre genre 1h10 qu'il enlève la béquille. Hein. Oh. Il n'enlève pas la béquille, ça va être injouable. C'est quoi ce bordel? Appuie sur X, non? Et non, y a pas de touche, hein. C'est génial. Regarde cette moto. C'est quoi cette merde? Alors, what? On passe par là, ouais. Et genre, on peut... Elle est incontrôlable la moto. Attends, peut-être que la béquille s'est mise dans le sol. Ça a l'air de bien marcher en tout cas. Mais pourquoi il est tout le temps sur le côté? C'est impressionnant. Enfin, papy monte dedans, peut-être c'est moi. Hein. Essaye avec celle-là. Je pense qu'on va rigoler, faire des sauts avec ça. Ah ouais, s'il faut, ça va être terrible au monde du monde. Attendez, je vais essayer avec une autre moto. Ça va être une course, ma 4 km. On est d'accord, papy, hein, ça marche pas. Papy, il est ça marche pas terrible, ah, oui. Alors, est-ce qu'avec celle-là, ça marche mieux? La TE250, un deux temps là, mon copain, un truc qui arrache un peu. C'est... Non, mais on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui appuie constamment sur le frein. Oh, vous savez ce que c'est le problème? Non. Je crois que c'est les chemins de Giants qui sont en collision. Que... Ah si, je crois que les chemins de Giants ils sont en collision. Je sais pas, parce que j'ai mis la marche arrière, je peux plus aller en marche avant. Ah, non, mais alors, moi, il faut savoir quand même que je suis à 20 000 tours minute. 2000 tours minute. Genre, juste bouge pas en fait. Mais non, c'est normal, t'es dans un chemin en collision. Oh, c'est formidable. Attends, descends. Ouais, bah, attends, je... Wow. Mais ouais, c'est les chemins qui sont en collision. C'est génial. Oh, c'est formidable. Oh, c'est fantastique. Mais c'est beaucoup trop bien. Quel jeu génial. Donc en fait... Et sinon, attends, passer la moto pour voir. Ah oui. Je vais essayer là où il n'y a pas de chemin, ça se trouve ça se contrôle très bien quand il n'y a pas de chemin. Pas trop mal quand il n'y a pas de chemin. Ouais, mais elle reste penchée quand même pendant une heure là. Ouais, elle reste penchée, ouais. Oh ouais, non, mais c'est un désastre. Putain, mais c'est dingue, un mode up. Et quand tu tournes, ça freine. Mais ouais. Oh, mais il y a un bug, hein. Attends. Et puis si tu veux accélérer, tu peux toujours courir. Hein. Ah, attends, mais sinon, on prend des moto. Quads, hein. Bah ouais, non, mais ça va peut-être être ça. Ouais, sinon ça va être au quad en vrai, hein. Plus Balan adore ça. Oui, alors ça c'est vraiment mon truc préféré. Ah oui, non, voilà. C'est injouable, hein. C'est non, mais ouais. Bah alors attendez, je vous envoie deux modes, ah oui. En plus, ils sont pas légers. La YZ. La YZ. Je suis sûr que c'est la béquille qui reste. Ouais, c'est ça, hein, c'est sûr. Ah ouais, c'est ça. C'est sûr. Donc c'est pour ça qu'on va tester avec la YZ, et si ça marche pas avec la YZ, on fera une course de quad. Bon les amis, on a testé plein de trucs, on a testé une autre motocross de chez Yamaha qui était quand même bien mieux que la daube de chez Husqvarna, mais c'est pas non plus ça, c'est avec les motos sur farming, on sent que c'est pas un jeu de deux roues. Hein. Donc finalement, on va se lancer sur un quad. Un quad Honda, le Honda Rancher Lifted, il est vraiment cool et en plus il passe un peu partout. On peut le mettre en 4 roues motrices et en race, et autant vous dire qu'il marche plutôt bien. Moi je vais me le prendre en noir pour l'essayer, pour vous montrer juste comme ça, hop, en faisant le tour. Alors regardez, en gros, ça démarre ici, vous continuez, vous allez voir, oui, ça marche très fort, donc ça va
falloir balancer l'accélérateur. Ça va pas être évident. Et ah oui, non, mais par contre, ils nous ont mis vraiment des pneus de VTT hein, dessus. Hein. C'est pas grave. Continuez par là. Tranquillement. Prendre le virage. Bon, il y a des bouts de bois. Hein. Je sais pas pourquoi. Prendre le pont. Waouh, ouais, d'accord. Et le pont, va falloir y aller doucement. Sinon, il faudra descendre. Alors, évidemment, vous avez le droit de porter charge lourde. Mais que pour remettre le quad à sa place et pile à la place où il est. Hein. Ne pas l'avancer ni rien. Sinon, pénalité. Alors, vaut mieux pas faire d'accident avant le pont. Parce que sinon, il faudra, je pense, prendre un peu de marche arrière. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a deux tours. Donc, c'est pas parce que vous vous loupez quelque part que c'est perdu. Hein. Il y en aura d'autres qui vont se louper à d'autres endroits. Ok, ça passe. La réception est plutôt bonne. Ensuite, là, il faut passer entre les arbres. Oh, ça va être trop dur. Entre les arbres, ça va être très compliqué, les gars. Je vous le dis. Ah oui, d'accord. Ah oui. Oh non, oh, il va être... Ah, je pense qu'il est encore utilisable. Faut le remettre sur patte. Ensuite, faut continuer par là. Oh, la réception, ça va se faire bien. Restez dans le circuit, évidemment. Il est... Putain, il pouvait pas mettre des pneus un peu plus larges. Ben non, ça fait partie du fun. Ouais, bon, on verra. Faire des tonneaux tous les 20 mètres, c'est obligatoire, du coup. On prendra le ressenti. Et à mon avis, franchement, je vous donne un conseil, hein. Ne cherchez pas à aller trop vite. Les tonneaux, ça fait partie de l'expérience, du coup. Vous allez perdre, vous allez perdre beaucoup en... En maniabilité. En temps. Genre, c'est vraiment à vouloir accélérer. Par contre, en montée, il a zéro, là, j'appuie à fond, il a rien. Vu comme ça penche, c'est peut-être pas plus mal. Ouais, c'est peut-être pas plus mal, parce que là, tu sors facilement du circuit. Oh, ah putain, il fait que des tonneaux. Ah, c'était presque rattrapé. Ah, putain, mais... Ok, merci, papy. Ensuite, on continue par là. Oh, putain, mais c'est pas... N'allez vraiment pas vite, hein. Bonne chance. Voilà, faut faire le tour. Alors, pareil, là où vous êtes sorti, vous remettez le quad là où vous êtes sorti. Hein. Ouais, c'est ce que je vois, ouais. Oui, donc, sauf l'organisateur. Pas besoin de s'emmerder avec des détails pareils. Ça va être catastrophique. Non, mais le génie qui a mis des pneus de VTT là-dessus, vraiment, il a tout compris. Hein. C'est un génie, un abruti fini. Ensuite, on passe par là, bam. Là, ça va, là encore, là, ça va. Là, l'arrivée, ça va. Virage un peu serré comme à droite, attention à ne pas tanguer. Alors, vraiment, ne roulez. Mais quand je vous dis ne roulez pas vite. Hein. Parce que ça. Voilà. Et là, du coup, vous avez bouclé votre premier tour, il faudra aller en faire un deuxième. Bon, je range le quad de l'organisateur. Voilà. C'est bien passé. Il est parfaitement rangé. C'est catastrophique, ce véhicule. Il est parfaitement stable. Voilà, il est impeccable. Et là maintenant, je vais acheter les vôtres. Alors. Attends, il y a un sticker dessus. Bon, ouais, de toute façon, j'achète de différentes couleurs, mais de toute façon, vous prenez le premier que vous attrapez. Hein. Bonne chance. Est-ce que je les mets en race? Je suppose qu'on n'a pas le droit au speed player. Bah non. Bah non. Bah non, papy. C'est zéro, évidemment. Hop, on met le quad en bleu, on met le quad en vert, on met le quad en jaune. Voilà, alors ils sont là. Le départ se fait ici, les amis. Vous devez faire deux tours. Et évidemment, au bout des deux tours, cette ligne sera la ligne d'arrivée. Et vous, le premier qui arrive aura le choix de la première parcelle. Le deuxième, la deuxième. Le troisième, la troisième. Et le quatrième, la quatrième. Évidemment, je me mets boom en player flight. Alors, est-ce que vous êtes tous prêts? Oui. Ouais. Oui. D'accord. En ce cas, 3, 2, 1, c'est parti! Je suis bloqué. Oh, ah, il s'est bloqué. Papy, Valan, non, vous voyez, Kamsed, ils sont bloqués. Ça monte. Attendez. C'est trop bien. Kamsed, il a un peu bugué. Il a eu un problème de départ pour le moment. Qui c'est qu'on a devant là? Je crois que c'est El Papito. El Papito, attention. Oh là là, Papito, non. On a eu une sortie presque de circuit. Papito qui se mange la haie. Et Balan qui s'envole la revanche face à la Tunisie. J'ai plus d'expérience que vous là-dessus. Ah! Oh non, Balan qui choque à ce niveau-là de la compétition. Il faut la remettre au même endroit. Et Papito qui finit. Papito se noie. Alors soit vous faites une marche arrière, soit vous tombez dans l'eau, mais ça peut vous disqualifier si le quad n'est plus contrôlable. Non, ça a l'air d'aller, Balan qui va repartir et qui se fait doubler par... Oh, Valo qui se casse les deux bras. On a Papito là qui est en train de faire l'enchaînement. Les amis, sous les arbres ici, il passe déjà le deuxième pont, Papito. Très belle réception. Ah. Très belle réception en toupie de la part de Papito. On a Balan qui est dans les fourrés. Balan chasse-pêche et truffe. et Valo qui arrive au pont. Je suis le truffier. Ah. Petit bisou à la haie en passant. On sent l'amoureux de la nature qui est là. Ouais. On le voit. Et la Balan, attention, peut-être la réception. Pas trop mal. Alors ouais, c'est un peu complexe. Le pont est un petit peu trop non, short. Non, moi j'ai réussi. J'ai réussi à la réceptionner. Oh. Et là, on a Papito. Là, Papito qui s'envole. Hein, Papito, mais attention, une erreur est si vite arrivée. Papito, ne prenez pas trop la confiance. Un conseil que je vous donne parce que je vous apprécie. Et on a Kamsed quelque part sans doute.
Ouais, non, je garde pas, tu me trouveras pas de toute façon. Ah si, il est là, il vient de passer le pont, le Kamsed. Et la réception qui est loupée également. Je ne mens pas, hein. Vous verrez. Au point où on en est, tu t'embêtes pas à caster mon côté, hein, regarde, C'est vrai que ça fait galère, je suis obligé de me mettre vachement vu de haut, quoi. Eh, ça rattrape, hein, derrière, attention, hein. Papito qui était une échappée, mais attention, il y a le peloton là qui arrive en pleine balle. Dommage, Balan qui a décidé d'emmener la haie avec lui. Et ouais. Oh non, Valo, le virage un peu trop sec. Attention au virage un peu trop sec. Mais non, non, il l'a pas vu. Il y a pas d'anti-jeu, il l'a pas vu, je le sais. Bah non, je l'ai pas vu. Il l'a pas vu, il était de dos. Et là, on a Papito. Papito qui s'envole. Qui s'envole pour boucler ce premier tour. Oh, attention. Adieu. Je m'envole. Ah, bisous. Monsieur là, c'est pas légal ça, monsieur. Eh, c'est pas de ma faute, je peux pas le contrôler là. Oui, non, lâche-moi ici. Eh oh, t'étais là. Mais non, c'est pas du jeu, frère. T'es tombé là, t'es sorti du circuit en F1, tu peux pas faire ça. Ah, bien sûr que si, quand tu sors de piste, tu coupes peinard, y'a rien, y'a pas de pénalité. Tu peux juste pas aller pleine balle et tu dois... Bah oui, bah là t'allais pleine balle, là désolé, t'étais au moins à 150 dans la descente. Et Papito pour son deuxième, oh la deuxième réception, flèche. On m'en veut, c'est parce que j'ai refusé de mettre Papito dans une fusée. Oh putain, c'est ça. Ah oui, et attention, hein, Valo qui prend un petit peu de retard. Et Balan qui arrive pleine balle. Et Papito qui continue, il est où Papito? Ah il est là, il est en train de passer entre les arbres. Quoi? Non bah je suis stuck, c'est de la pisse. Ah il faut pas passer dans les chemins. Ah c'est bon, il est parti, Valo a eu la même problématique. Et Papito, il est là, il vient de passer le pont. Ah ça va, cette fois-ci t'as réussi? Non, pareil, mais sauf que je me suis retourné direct. Ah ok. Je me suis mis sur mes pattes direct. Mais c'est faut passer sur le côté droit, voilà, petit conseil pour ceux qui sont en retard. C'est comme ça que j'ai réussi. Il est où le Balan? Je suis dans un kiff là. Il est en train de passer le pont. On a Valo qui arrive ici. Valo qui passe le pont pour aller. Oh là là, la toupie Beyblade. Attention, et Papito qui est en train de sécuriser cette première place très sérieusement. Très 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 sérieusement là, le Papito, hein, franchement. Et Balan qui nous fait un petit peu de hors-piste. Allez, Papito. Papito qui n'a plus que 1, 2, 3, 4 virages à faire. Attention, ça peut être des virages compliqués, Papito. Hein. C'est des boss surtout. Ouais, c'est vrai que là, je suis en vue de haut, mais regardez, ils sont bien en pente. Hein. Et surtout, la descente, là, elle est traite. C'est là-dessus que Balan s'est fait avoir. Et là, ça va. T'as vu, c'était limite. Hein. Là, il se mangeait la haie, il partait en toupie et il se faisait punir de la même façon. Valo, qui a pas mal d'avance. Lui aussi, ils ont à peu près le même avance entre Papito et Valo qu'entre Valo et Balan. Mais Balan qui revient très fort, là. Balan qui revient très, très fort. Papito, voilà, qui va aller sécuriser cette première place. Il est là, il arrive, il s'envole. Et la première place, elle est là. Elle est pour Balan. Voilà, magnifique. Oh là là, mais... Ah, et on a le Balan qui nous a fait un petit hors-piste. Valo ici. Il va prendre l'avant-dernier virage. Mais je fais des wheelings, c'est nul. Valo qui prend le dernier virage et qui va aller sécuriser cette deuxième place. La power team ça c'est mon Valo. Premier et deuxième. La troisième place qui va arriver pour Balan. Et attention, où est Kamsed? Oh, Kamsed qui arrive derrière Balan, hein, peut-être. Ah non, Kamsed a décidé autrement. Non, ne crois pas. Il y aura manipulation du footage. Il y aura rien du tout. Et Balan qui se mange la haie juste avant. Il veut permettre à Kamsed de revenir. Il est là pour le spectacle. Non, je pense. Viens, fais ça avec des voitures après. Il n'y a pas de manche de tour là. C'était en quad, il y a eu des tours. Absolument incontrôlable ton truc. C'est vraiment. Allez, en fait, on vous a pas laissé. Il y a un troisième tour. Balan qui sécurise cette troisième place. Et Kamsed, il est où le Kamsed? Il est là. Il est encore là où ça va être le coup de finir. Ouais. C'est-à-dire qu'avec 980 ms, c'est fun. Je m'amuse. Ah ouais. Je kiffe ma vie. Ah oui, tu vois venir les murs un peu tard. Bah, c'est-à-dire que je touche la touche pour tourner, je fais un 360. Ah oui, ouais, d'accord, en effet. Bon, bah voilà, on a... Allez, je vais fabriquer un podium. T'as le temps de le finir avant que j'arrive, t'inquiète. Bah c'est ça, c'est pour ça, je m'emmerde pas. Je commence déjà. Ouais, non, je confirme. 97ème fois que je touche la haie, nickel. Rigole, en fait. Tac, regardez ça, le podium. Je pense qu'il faut juste qu'on les emmène voir une examination technique, voir s'il n'y a pas eu de triche. C'est vrai, il y a peut-être eu des moteurs modifiés. Il y a peut-être eu des moteurs modifiés, que je connais Papito et Valo. Quoi? Alors là. Je pense qu'il y a peut-être une modification des moteurs. Ah, attends, comment on va...
Ah oui, c'est vrai, qu'en, vois, c'est vrai qu'en multijoueur, bon, bah, ça sera comme ça, ouais. Le podium. Ouais. Balan, Balan, sur les... votre gauche, s'il vous plaît, Balan. Ah merde, ils sont pas en collision. J'ai pas aimé. Vous avez pas la console ? Si. Ouais, mais j'ai peur que... Papito, t'as la console ? Ouais. Ah, impec. Mets-toi en haut. Et Valou, il a pas la console. Si, mais... Voilà, les amis, nous avons notre podium. Et alors, je vais vous demander, du coup, de choisir vos parcelles dans l'ordre. Monsieur Papito, suivez. Suivez-nous tous, hein, d'ailleurs, qu'on gagne une 5 minutes. Je vais pas venir vous chercher à chaque fois. On est où ? On est là. Hop. Sur les parcelles. Bah, moi, je vais rester sur ma première impression. Je vais prendre celle où je suis, là. Ah, ça veut pas descendre, celle-là. Voilà, ok. Papito a choisi, Valo. Y en a une là aussi, où je suis, là. Ouais, ouais, là, en triangle, là, ouais. Mais pas, je vais prendre celle-là. Ok, Balan. Bah, écoute, je sais pas, je voulais des parcelles autour du lac, mais... il fallait arriver premier ou deuxième. Fallait arriver premier. Évidemment. Bon, celle-là. Ok, celle-là, et bah, Kamsed. Il y a celle du bout aussi en triangle, si vous voulez, Kamsed. Alors, attends, faut que vous vous là. Ah oui, en moitié. Ah, c'est bon. Il n'y a pas tellement d'importance, mais je vais prendre celle du bout. Et bien. Ok. Ok, bon, bah voilà, on a celle à choisir, on restera. Il aura encore 3 choix, le Black Nick. Ça va. Ouais, quand même. Ça va, on le met bien. Et puis bah écoutez, on en est où là ? On a bien avancé dans l'épisode, on a pas fait énormément de forestiers sur la fin, je vous l'avoue. Mais quand même, regardez, il y a quand même tout ça d'abattu, hein, mine de rien. Ça va. Ah, le battle fini, ouais. C'est pas ridicule avec le off et plus un début d'épisode et on l'aura. Je vous mets d'ailleurs un petit avant après là, comme ça, parce que c'est vrai que... attendez, je vais en faire un là. Regardez, un avant. Après, là, ça a été bien dénudé quand même. Et là, un petit peu en vue de haut, comme ça, je pense que ça peut être sympa. Un avant et un après. On va passer au bilan de cet épisode. Venez au niveau de la Zobiste. Je vais vous payer, messieurs. Enfin, je peux pas monter dans le Volvo. Pourquoi je peux pas monter dans le Volvo ? Parce que t'es en player flight ? Non, demande. Ok, c'est bon. Je sais pas pourquoi ça marche, je sais pas. Tac. Alors, tout le monde est là. Je vais donc vous payer. Alors, Papito, du coup, épisode plus off. Je vais dans l'ordre alphabétique. Hein, Un petit bonus avec la première place. Non, t'as déjà eu ton bonus. Il a déjà une parcelle, ça va. Balan, on a un demi-épisode. On a deux off. L'abatteur fou, on a épisode et off. Épisode et off. Eh ben, il y a assez pour payer tout le monde. Et Kamsed, il y a deux off. Et un demi-épisode. Je suis plus riche que le patron et que tout le monde. Ouais, après, ne parlons pas de patrimoine. Parlons juste d'argent sur le compte. mais voilà. Bon, les amis, bilan de cet épisode. On a perdu beaucoup d'argent pour ces conneries, mais c'était quand même bien rigolo. Et comme ça, on va pouvoir meubler ensuite ce beau lotissement. Alors, t'as acheté quelle parcelle, Balan ? Ah, la 16. 16. Ah ouais, une belle parcelle. T'as vu ? Ah oui, quand même. Ah oui, j'ai ah oui, 120 000 euros, mais elle sera rentabilisée. Ouais, je pense. Un petit budget. J'ai pas encore commencé d'ailleurs les parcelles des gens, mais je pense que je commencerai par celles qui sont au milieu. Ok. Et puis, ben moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao tout le monde. Ciao.